Salut tout le monde, je suis Aïna et je suis contente de pouvoir enfin filmer les vidéos. Comme vous le savez, dans ma dernière vidéo, j'avais dit que on allait déménager ensemble avec mon copain et que peut-être ça risquait d'être un peu compliqué pour moi de filmer les vidéos en même temps et tout. Enfin, ça y est, on a déménagé, on a tout installé et je peux enfin installer aussi ma caméra et m'installer devant ma caméra et pouvoir filmer ma vidéo. Voilà, de pouvoir reprendre ma chaîne YouTube. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que à chaque fois quand je fais une telle pause, cette fois-ci c'était un mois sans filmer les vidéos, je sens que ça me manque énormément. Et à chaque fois quand je me mets à enfin le faire, je me sens super contente. Donc dans cette vidéo, on va parler avec vous, ou plutôt avec toi. En fait, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus facile pour moi de parler, de confier mon expérience si je m'adresse à une personne, enfin si je l'utilise tu plutôt que vous. Bon bref, donc dans cette vidéo, on va parler avec toi par rapport à trois choses que moi je fais tous les jours durant mon année universitaire pour apprendre mes cours en médecine. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, d'ailleurs j'ai vu dans les statistiques de ma chaîne qu'on a pas mal de nouveaux ici, et notamment des personnes qui sont venues sur ma chaîne avec les vidéos où je parlais de médecine et tout, de mes études en médecine. Donc déjà bienvenue et merci de rejoindre ma chaîne. Et après aussi je me présente, je m'appelle Arina et maintenant je suis une étudiante en troisième année de médecine. Enfin, je vais commencer la troisième année de médecine. Dans une semaine, c'est ma rentrée. Et justement, c'est cette période de la rentrée scolaire, de la rentrée universitaire, de la préparation pour les nouveaux cours, pour les nouvelles matières. Ça m'a beaucoup inspirée pour filmer ce genre de vidéo. Et pour ceux qui ont déjà eu leur rentrée, je souhaite vraiment une bonne rentrée. Profitez bien, organisez-vous bien et commencez bien votre année, enfin, vos études si vous êtes en première année, et continuez bien vos études si vous avez passé en deuxième, troisième, etc. année. Notamment, je souhaite une bonne reprise des cours pour les étudiants en médecine. Donc sur ça, on va commencer. Les trois choses à faire tous les jours pour apprendre tes cours en médecine. Et la première chose dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est planifier la veille. Quand on est étudiant, et notamment étudiant en médecine, l'agenda c'est ton meilleur ami. Franchement, honnêtement, je sais pas comment on peut faire sans agenda. Désolée, mes voisins sont un peu bruyants. Vous les entendez bien, je pense. En effet, en tant qu'étudiant organisé, il faut que tu saches précisément et exactement ce que tu as à faire tous les jours. Seulement en ayant un plan bien défini, bien établi, on peut espérer avoir un résultat. C'est très important de prendre ton agenda, ton emploi du temps. Normalement, il est déjà dispo parce que voilà, bientôt c'est la rentrée et normalement l'emploi du temps, il est disponible un peu en avance. Mais je pense que pour la plupart des personnes, la rentrée a déjà commencé. Donc, dans tous les cas, tu as ton emploi du temps avec tes cours. Il faut que tu prennes ton agenda, il faut que tu planifies ta semaine à venir. Il faut que tu notes les cours que tu as à apprendre et les cours, enfin les dates quand tu vas réviser tel ou tel cours. Pour moi, j'ai mon agenda. Enfin, je me trimballe toujours avec mes carnets, et notamment avec celui-ci, c'est mon agenda. Et je pense que je l'ai déjà montré dans une de mes vidéos. Bon, c'est mon agenda où je note tout. Je note tout par rapport à mes études, par rapport à mon travail, par rapport à mes vidéos sur YouTube, voilà, des trucs administratifs, tout ça. Et pour chaque jour, j'ai un plan précis et je sais exactement ce que je dois faire. Je te conseille aussi de prendre cette technique. Ça peut être aussi l'agenda en format numérique. Par exemple, Google Agenda, c'est très pratique aussi. Mais moi, j'aime trop quand c'est sur papier. Et j'ai encore une astuce à donner ici dans cette catégorie planifier la veille. C'est une chose que je faisais tous les jours. Enfin, je le faisais tous les soirs, mais c'est libre à toi de le faire soit le soir, soit le matin. Mais l'important, c'est d'être régulier. Et j'ai l'impression que c'est précisément cette chose-là qui m'a vraiment permis de rester organisée dans mes études, c'est de répondre aux trois questions simples. La première question, c'est est-ce que je suis satisfait ou satisfaite avec mon travail aujourd'hui? Tu réponds simplement oui ou non. La deuxième question, qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Et là, c'est à toi d'analyser ta journée, de voir qu'est-ce qui allait et qu'est-ce qui n'allait pas. Ça se trouve qu'il y avait juste une chose qui, on va dire, cassait un peu ton organisation. Après avoir fait cette chose, tu n'as pas pu reprendre tes cours, ton travail, etc. Du coup, tu peux la noter pour savoir pour les prochaines fois. Ou ça peut être aussi, enfin, les choses comme
Aujourd'hui, j'ai scrollé 30 minutes sur téléphone après avoir pris mon déjeuner. Du coup, j'ai perdu le temps. Et qu'est-ce que je pourrais faire au lieu de ça? Je pouvais partir je pouvais partir me balader pendant 15 minutes et après rentrer et reprendre mon travail de suite. Voilà, des choses comme ça, des observations. Et après, à force de répondre à cette question tous les soirs, je notais aussi un jour une chose telle que j'ai remarqué que si je prends une pause de 10 minutes, mais toutes les heures, si je travaille une heure après, je prends une pause de 10 minutes, je retravaille une heure, je fais une pause de 10 minutes, j'arrive à rester beaucoup plus concentré et productif que si je prenais une pause de 30 minutes, mais toutes les 3 heures de travail. Voilà, c'est à toi de répondre à cette question sincèrement en te basant seulement sur tes sensations. La troisième question, c'est quel est mon objectif et quel est mon plan pour demain, si tu le fais comme moi je le faisais le soir, ou quel est mon objectif et quel est mon plan pour aujourd'hui, si tu réponds à ces questions le matin. Cette technique, pour moi, ça a fait vraiment des merveilles. Je peux dire que seulement à cette technique, j'ai réussi à rester organisée, concentrée, et savoir exactement ce que je dois faire tous les jours et de ne pas être perdue dans mes révisions. Donc la première question, je vais récapituler vite fait tout ce que je viens de dire. La première question, est-ce que je suis satisfait ou satisfaite, oui ou non? Ça me permet de nous auto-évaluer. La deuxième question, qu'est-ce que je pourrais faire mieux ou qu'est-ce que je pourrais améliorer? Ça nous donne une direction dans laquelle il faut qu'on travaille ou ça nous donne aussi une piste d'amélioration. Et finalement, la troisième question, quel est mon objectif pour demain? Quel est mon plan pour demain? Tu peux l'écrire aussi étape par étape. Ça va te permettre d'éviter d'être perdu et de commencer à faire ce que tu as à faire immédiatement dès que tu te réveilles. Moi, je te recommande de faire cette technique le soir et t'es pas obligé d'écrire des poèmes. Ça va pas te prendre beaucoup de temps. Avec les pratiques, ça te prendra pas plus que 5-10 minutes. Personnellement, en la faisant le soir, j'ai remarqué l'effet maximal de cette technique. J'avais l'impression que si je le faisais avant de m'endormir, je dormais avec cette idée de faire telle ou telle chose demain, il y avait une sorte de processus qui se faisait dans ma tête quand je dormais, et le matin, quand je me réveillais, je me retrouvais toujours en très bon état pour faire cette chose-là. Comme si inconsciemment, quand on dort, dans le cerveau, enfin, le cerveau travaille, et il te prépare pour la tâche en question. Et la deuxième chose à faire tous les jours pour apprendre tes cours, et notamment les cours en médecine, bon, je m'adresse plutôt aux étudiants en médecine parce que je la suis aussi, et généralement je parle sur ma chaîne par rapport à tout ce qui est la médecine, mais je pense que ça peut être appliqué aussi aux autres études dans les autres domaines. Bon, la deuxième chose, pardon, j'ai coupé ma phrase. La deuxième chose, c'est de prendre un rituel ou de se faire une habitude de réviser les cours que tu as déjà appris. C'est seulement en répétant plusieurs fois aux intervalles de plus en plus longs avec le temps qu'on arrive à retenir des choses à long terme. Et la façon la plus facile pour créer une telle habitude, si on ne l'a pas encore ou si on n'arrive pas à s'y tenir comme il faut, c'est de l'attacher à l'habitude qui existe déjà. L'exemple le plus simple, c'est le café. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent le café le matin. Enfin, c'est une sorte de rituel que moi j'avais aussi il y a encore un mois. Là, voilà, j'essaie de les remplacer par le matcha. Je sais pas encore si ça fonctionne ou pas. De temps en temps, j'ai quand même envie de prendre un bon café bien amer pour me redonner de l'énergie. Bon, bref, le café. C'est une habitude qu'on a assez souvent de prendre un bon café le matin. Et pourquoi pas attacher à cette habitude qui existe déjà une nouvelle? Une habitude de révision. On va dire que le matin, tu prends ton café, tu prends ton téléphone avec, tu vas sur l'application Anki, parce que c'est l'application qu'on utilise le plus souvent pour créer des flashcards, et tu commences à réviser tes flashcards, des cours que tu as déjà appris, il y a un jour, il y a 3 jours, il y a une semaine, etc. Un autre exemple, c'est tu vas te balader, et au lieu d'écouter de la musique dans tes écouteurs, tu écoutes des cours déjà enregistrés. Comme ça, on peut rentabiliser le temps. Ou si on est encore plus créatif, on peut coller les post-it dans la salle de bain et de les réviser en même temps que tu te brosses les dents tous les soirs. Normalement, on n'oublie pas de le faire. C'est la façon la plus facile d'intégrer une nouvelle habitude dans ta vie. Tu prends l'habitude qui existe déjà dans ta vie et tu rajoutes la nouvelle. Le café, tu rajoutes les flashcards. La balade, tu rajoutes les cours enregistrés. Tu te laves les dents, tu rajoutes les post-it sur le mur. Peu importe.
Tu le fais comme tu veux. Le but, c'est d'avoir un petit moment de révision des notions que tu as déjà apprises pour te les rafraîchir dans ta tête. La troisième chose à faire tous les jours pour apprendre tes cours, c'est d'avoir une activité pour te défouler. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que pour pouvoir rester concentré pendant des heures et des heures devant tes cours, il faut avoir une activité de côté qui va te faire redescendre toute la fatigue, toute la pression que tu accumules après chaque séance de travail. Le meilleur exemple, je pense que c'est assez évident, c'est le sport. Ça ne te changera pas grand-chose si tu consacres à peu près 3 heures par semaine pour faire une séance de sport. Ça peut être 3 fois 1 heure par semaine ou 6 fois 30 minutes. Tu peux aller courir autour de ton bâtiment, tu peux faire une séance de cardio, tu peux danser, tu peux faire des pompes, des tractions, tu peux faire une séance de pilates ou de yoga. Enfin, tu fais ce que tu veux. Ça peut t'apporter beaucoup de bienfaits concernant ton organisation parce que après une telle séance, tu te défoules et tu seras beaucoup plus reposé mentalement et tu pourras rester concentré plus longtemps sur tes cours, tu seras moins dérangé et beaucoup plus productif. Franchement, je ne saurais pas expliquer comment ça fonctionne, mais la chose dont je suis sûre et certaine que j'ai testé énormément de fois sur moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je fais même une vingtaine de minutes de sport dans la journée, je suis beaucoup plus disciplinée et c'est beaucoup plus facile pour moi de me mettre à travailler. Dans cette vidéo, j'ai parlé des 3 choses qui sont indispensables à mon avis pour avoir une bonne routine bien stable et organisée pour pouvoir être productif dans tes études. Mais il ne faut pas oublier que l'essentiel, ça reste toujours d'avoir des bonnes séances de travail où tu vas être focus plutôt sur comprendre des choses plutôt que de faire du bachotage tout bêtement. Ça marche pas. Enfin, si ça marche, mais à court terme, dans quelques jours, tu auras tout oublié. Et pour finir cette vidéo en beauté, je vais te demander de dire dans les commentaires quelque chose sur toi. Est-ce que tu es étudiant? Et si c'est le cas, dans quel domaine? Et je suis aussi curieuse de savoir s'il y a beaucoup d'étudiants de médecine qui me regardent. Voilà, je pense que sur ça, je peux finir la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne si c'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt dans les autres vidéos. Ciao !